Maintenant que j'ai votre attention, je voulais vous remercier d'avoir cliqué sur la vidéo, de l'avoir choisi. Et j'espère que vous allez aimer. Dans cette vidéo, on regarde beaucoup trop de trucs satisfaisants et drôles. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et si vous passez un bon moment, les potes, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu, tu connais. De toute façon, si tu le fais pas, je volerai tes cookies. Voilà, donc t'as pas le choix, maintenant t'es obligé de le faire, gros. Passe tous une très très bonne vidéo et ciao. On pose la guitare. Morty ! Voilà tout le monde, c'est Rayton, aujourd'hui on se retrouve les potes pour une nouvelle vidéo là-haut. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les vidéos satisfaisantes. Vous savez que c'est un concept qui vous plaît énormément sur la chaîne. Basiquement, vous le demandez tout le temps. Pendant chacune des vidéos que je fais, il y a toujours une personne. Cette même personne qui dit, faites plus de vidéos satisfaisantes. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et si ce concept vous plaît encore, continuez à faire ce que vous faites de mieux. Continuez à exposer les pouces bleus les potes, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir la suite de la vidéo. Rentrez dans la petite communauté de Raytonia. Et c'est parti tout le monde pour commencer les vidéos satisfaisantes. Je sais pas pourquoi je fais ça, je suis très excité aujourd'hui, non? Ça c'est le café, je pense. On va commencer avec cela qui s'appelle Satisfying Relaxing Video for Sleep and Mental Calm. Donc, basiquement, tu auras un calme mental après avoir regardé cette vidéo. Ok. C'est pas magnifique. On va commencer avec toi avec la vidéo. Moi, quand je vois ce genre de miniature, je peux que m'attendre à du très gros potentiel. Donc, c'est parti. Non, papy! Bon, c'est une pub. Calmez-vous, les potes, calmez-vous, c'est pas ça qui est satisfaisant. Ok, c'est parti. Ça c'est moi quand je fais mes vidéos là où je donne de l'argent. Ça c'est ça, je compte l'argent que je n'aurai plus après la vidéo. 100, 200, 300, 400. Oh, il y a le son. Mais c'est du papier? Moi ça c'est marrant. On dirait les sons quand tu craftes quelque chose dans un jeu vidéo. Tu sais, c'est ce genre de son là, ding ding, quand tu quand t'es sur l'enclume. Eh hey, mais c'était les bonbons. Attends, mais c'est les bonbons un peu acides là. Oh mec, ils sont trop bons ces bonbons là. Par contre ça a l'air terriblement sucré. Et pourquoi son sucre est jaune? Mais mec, en vrai c'est satisfaisant. Mais clairement tu mets ta main là dedans, t'es pas bien. Tu mets ton pénis, encore moins. C'est quoi ça? Ah, c'est comme ça qu'on coupe? Ah, je savais pas. Ah, ça c'est toutes les mamans quand elles préparent leurs cadeaux pour Noël. Elles font toutes ça. C'est quoi ça? Donc, on a fait des milliers d'années d'invention, on est allé sur la lune, tout ça pour avoir un mec qui s'amuse à faire un robot qui juste place des petits cubes. Un café pour tout le monde. Un café pour tout le monde. Ok, ça rentre pas, et ça va sûrement fonctionner. Oh. Ça, c'est exactement quand je fais de la cuisine. Genre, je veux juste tout faire brûler. Waouh. C'est bon, je suis satisfait. Je peux pas besoin d'aller plus loin. Mon calme mental va très bien. Ah mais attends, mais là ça s'enchaîne beaucoup trop vite. Il y a eu trois trucs en même temps. Oh, de la sève. En vrai, c'est assez dégueulasse. On va pas se mentir, ça, c'est dégueulasse. Mais c'est quoi ces gens? C'est quoi ça? Ah, on dirait un serpent qui perd sa peau, j'aime pas. Je n'aime pas cette vidéo. Mon calme mental est en train de partir en couille. Ok, là c'est Pikachu. Ouais. Par contre, il me fait peur Pikachu là. Ah, c'est creepy de ouf. En vrai, c'est grave creepy. Moi, je vois ça, mais dans mes cauchemars, les potes. Hein. C'est quoi ça? J'en ai marre. Pourquoi vous inventez ce genre de choses? Attends, moi j'ai envie de voir le passage qui est dans la miniature. Vous savez que le gars avec les cheveux qui ressemble à un damier. Je veux pas voir ça. Je veux pas voir le damier. Oh, ça, attendez. Ça, je l'ai vu dans une vidéo. Regardez, c'est des pains, tu vois, ça se mange, hein. J'ai dit, c'est des pains, ça se mange. Tuez-moi, pitié. Ils sont tout mous. C'est de la bonne brioche. Regardez, mec. Il peut faire ce qu'il veut avec. C'est trop bien, ça revient toujours à la forme normale. Eh, vas-y, je suis fasciné par de la brioche. Oubliez-moi, les filles. Moi, je sors que avec des brioches. Seuls qui ont de la brioche. Aïe, je me suis fait mal, putain, j'ai un coup de soleil sur le ventre. Ok, alors qu'est-ce qu'il va faire? Ok, c'est parti. Oh là, la précision. Ah, mais il a même fait un... Enfin, on peut appeler ça un dégradé. Il a fait un dégradé damier. C'est dur à dire. Donc les potes, on va... Je vais vous montrer d'autres vidéos. En fait, celle-là, je pense pas que vous la regardez souvent parce que elles sont un peu moins connues sur YouTube. En gros, c'est des vidéos de gens qui jouent avec des allumettes et qui mettent le feu, comme d'hab. Celle-là, je pense, c'est une des plus connues, donc je vais quand même vous la montrer. C'est genre un gars, un artiste qui a fait genre un crâne, tu vois, mais genre que en allumette. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il va utiliser son allumette et tout va brûler dans les flammes de l'enfer de la muerte. Là, il nous montre quand même parce que il a quand même passé, à mon avis, bien 20 heures à faire son crâne. Ah, il montre comment c'est fait. Ah, même à l'intérieur. T'as quoi à l'intérieur du cerveau? Oh, des allumettes. Ouais, en vrai, c'est la galère, hein. Bon, là, en vrai, c'est image par image. Ok, c'est parti, mon gars. Fais tout brûler. Fais brûler 20 heures de travail. Allez, vas-y. En vrai, j'ai envie de le gratter. Je sais pas pourquoi, pas vous. J'ai là plein de boutons. Imagine, ce serait ta tête quand t'as plein de boutons. Brûle, 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 brûle.
trop, c'est stylé. Là, c'est stylé par contre, j'avais pas vu. Oh, mec, là, le feu qui sort de la bouche, c'est très stylé par contre. Les dents, c'est des vrais. Faut demander à sa grand-mère. Mais il les a trouvés où les dents? C'était ultra satisfaisant. On peut le regarder encore hein, d'un autre angle. Genre, au début, c'est un peu lent. Et genre, d'un coup, ça va faire. Ouais, donc là, c'est. Là, j'avoue que c'est stylé. Là, j'avoue que c'est assez intéressant. Mais moi, ce qui me fascine, c'est ce moment-là, en fait. Parce que là, tu vois, ça a cramé. Mais le feu, il englobe la tête, en fait. Ça, c'est quand tu réfléchis beaucoup trop. Tu te poses des vraies questions, genre. Est-ce que tout serait mieux si j'avais un tacos, tu vois? Tu te poses ce genre de questions normales. Putain, la vidéo, elle a 48 millions de vues. Je vais totalement faire la même vidéo en France. Oh! Attends, le gars il a mis. Alors je sais pas si c'est putaclic, mais en gros il a creusé un trou dans du sable et il a mis plein d'allumettes. On va voir si c'est chouette. Ok, donc là il creuse. C'est quand même. Attends, on en parle ou pas que c'est quand même un gars qui s'est dit un matin. Oh, si j'allais à la plage. Pour nager? Non, pour creuser. Pour creuser un trou, mettre des allumettes et tout brûler. La pyromanie n'a pas de limite. Putain, il galère un peu quand même. Hein. Bon alors, ok, il fait son trou. Ah, ça. Il tient des feux d'artifice dans un trou? Et t'imagines toutes les fourmis qui sont en dessous? Elles doivent trop faire la fête. Ou pas du tout. Peut-être qu'elles sont toutes en train de brûler. C'est la fête chez les fourmis! Mais en fait, il se passe rien. Ah, mais il l'a pas vraiment fait, les gars. En fait, c'est putaclic. Le gars, il a juste balancé des feux d'artifice dedans, mais il y a pas d'allumettes. Bizarre qu'il l'ait pas fait d'ailleurs, parce qu'en vrai, ça aurait été marrant. Eh, mais il y en a, vous avez un problème. Le gars, il a mis des allumettes, des pétards et des briquets. Genre tout ce qui peut péter ou brûler. Et il le met. Franchement, leur donnez pas des lance-flammes. Mais qui leur donne autant d'allumettes d'ailleurs? Genre, tu peux aller dans une boutique et acheter genre 10 000 allumettes. Ok, donc là, c'est les moments minutieux. Là, il prépare son setup. Putain, j'ai trop. Oh, ça, en vrai, c'est satisfaisant, un petit stop motion là. Oh oui. Bah oui, quand même. C'est trop marrant. Putain, mais pourquoi je regarde ça? J'en ai marre. Ok, et là du coup il va faire le résultat. Il a un bonnet peut-être parce qu'il faisait froid, du coup il a voulu faire un feu. C'est pour ça en fait qu'il fait ça. Il y a une logique, tu vois. Il avait juste froid. Waouh. Oh genre ça pète pas. Oh si. Je crois que cette vidéo a sûrement inspiré Roméo Elvis. Non? Le feu, en fait, au début, ça a fait un peu lance-flamme. Et après, le feu, il a dit, pas les couilles, je brûle tout le monde. Il en avait plus rien à secouer. Ouah, mais tes mains! Mais c'est incroyable! Bon, t'as pas envie d'avoir ces personnes-là en voisin, crois-moi. Alors, je vais vous montrer une vidéo. En fait, c'est un truc que je voudrais trop faire sur ma chaîne, mais je sais pas si ça vous plairait. Regardez la vidéo. En gros, bon, vous les connaissez. Vous les connaissez toutes avec. On va pas regarder toute la vidéo. Mais voilà, c'est que des trucs comme ça. Que des gens qui font des trucs grave satisfaisants. T'es pas comment il range son lit? Moi, il y a un abonné qui m'a dit de me ranger mon lit, mais j'ai pas pu avec le chat. Wouah. Et là, il fait le mec, mais en vrai, je suis sûr, il a mis un milliard d'essais. Il a savouré ce coca comme il n'a jamais savouré un coca. Oh, mais mec. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Du coup, en fait, l'idée serait de faire ce genre de vidéo-là. Donc, cette vidéo-là, attends. Allez, 20 000. Je suis un malade. Est-ce que je le dis? 20 000 pouces bleus et je fais une vidéo comme Dude Perfect, mais en France. Avec que des trucs stylés, mais en France. Ok, donc là, on part sur une autre vidéo. En gros, c'est... un gars qui écrase des trucs avec sa voiture. Eh, mais j'ai eu le permis, maintenant, je peux faire ce genre de vidéo aussi. Il est temps de ramener le concept en France. Pourquoi il était vert, ton coca? Il devait être bien périmé. Oh, le serpent. Oh, genre, il est même pas mort, et le mec, il y a aucune différence. Ok. En vrai, il y a plein d'objets qui se brisent pas, hein. On reste solide sur nos appuis. C'est quoi, ça? Non. Et non, raté. Le masque Fortnite. Bon, le masque Fortnite, il s'est clairement fait dégommer. Oh, par contre, les coquillages, genre, vous êtes pas les rois de l'océan. Non, en vrai, c'est marrant, mais pourquoi il y a des gens qui font sur... des croutons? La team crouton, non. Pourquoi il y en a qui font vraiment ce genre de vidéos? C'est quoi, ça? Ah, pas ouf par contre, c'était très bizarre. Mais genre, mais attendez les gars, personne entre nous est satisfait là, y'a un problème. Oh, c'est tic-tac chip. Ils ont appelé ça des Nova, mais c'est clairement des tic-tac. Celui-là était pas mal, celui-là je vous l'accorde, il est pas mal. Oh les billes. Genre, ça fait pas glisser la voiture. Oh, j'ai un concept, mais celui-là je vous le dirai pas. Mais là, moi, ça me dégoûte. Je suis pas satisfait, je suis juste dégoûté parce que tout ça, j'aurais pu le manger. Il y a une vidéo qu'il faut qu'on voit. Est-ce que vous vous souvenez des couteaux à 1000 degrés? En gros, c'était des couteaux que tu prenais, bah, tu les mettais à 1000 degrés. Et après, tu découpais des choses. Et vu que c'est très très chaud, ça découpait ultra bien. Mais sauf que maintenant, ils ont fait mieux. Couteau à 1000 degrés X, presse hydraulique. Et vous savez mon amour pour la presse hydraulique. Regardez, la balle de baseball. J'aimerais trop faire du baseball en vrai. Et ça va brûler, mec. Moi, j'adore quand ça brûle. Quand ça brûle et que ça explose, mon pote. T'es moi américain.
Non mais faut réaliser un peu ce qu'on regarde les gars un jour, parce que là c'est très bizarre. La plaie d'eau, c'est pas pour les bonhommes, sauf si tu rajoutes de la lave. En vrai là c'est satisfaisant. D'une certaine manière, c'est scientifique et ludique, non? Un jour dans ta vie, on va te dire, est-ce que tu sais ce que ça fait de brûler de la plaie d'eau et de l'écraser? Et toi, tu pourras répondre, ouais, je l'ai vu. Non, c'était dans une vidéo de Rayton. Non, mais est-ce que vous réalisez qu'un jour on pourra dire qu'on sait ça? Et moi, je connais toujours pas l'état d'une explication, mais par contre, je connais ça. On n'a pas les mêmes priorités. Ok, ça, c'est une grenade. Alors, je pense pas que ça soit une vraie. Sinon, je pense que le gars est salement démonétisé, mais ça va être marrant. Fuck la guerre, vive l'amour. Mais par contre, il faut regarder si ça va casser. Quoi? Attends, je fais un rythme. Tu vas voir, je vais la faire revivre. Ouah, c'est tout cassé. Je sais ce que vous voulez. Vous voulez que je le fasse revivre. Écoutez donc cette musique. C'est comme ça qu'on fait revivre. C'est comme ça qu'on remet en vie une grenade. Me demandez pas pourquoi et d'où j'ai appris ça, mais je le sais. N'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. N'oubliez pas, à 20 000 pouces bleus, je fais une vidéo trickshot. En plus, ici, j'ai trop l'espace parce que je suis chez mes parents. Et spam me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, c'est dans la description. Donc si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas. Passez une très très bonne journée tout le monde. A plus, mon Rayton, et ciao.